We'll be right back.
Thank you.
Alors que j'ai eu 3 mois de l'ingérence, le cerveau est pris par le vol. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. Et ça est muito louco. On se peut, on va l'aider à prendre une décision. Depuis ma vie aux erreurs. You see, and we take that and we can't find. We just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Pour des raisons médicales. La marijuana est une drogue et elle produit des effets qu'on ne peut pas demander aux gens de tolérer dans leur vie de tous les jours. On ne voudrait pas qu'un analgésique qu'on prend tous les jours entraîne une perte de mémoire. Ce serait un désastre au travail. Ou bien que les patients soient plongés dans un état de constante euphorie. Ça poserait des problèmes à ses collègues. Bon, c'est Alfredo, on est Lisa. Je voulais profiter du moment pour pedir en casamento à. À main da. Ai. Natália. Natália. Mata. De vergonha. Si c'est vrai ou pas, la réutilisation du cannabis de cannabinoïdes, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que les cannabinoïdes, le système cannabinoïde endogène, c'est une cible très très bonne pour chercher des nouveaux médicaments. La douleur est sans doute l'un des domaines dans lequel la recherche cannabinoïde pourrait avoir le plus d'impact. Le problème est alors d'élaborer à partir de la biologie endocannabinoïde un antidouleur qui n'aurait aucun effet secondaire, ne provoquerait pas l'euphorie, la désorientation ou encore la perte de mémoire qui sont inhérents au THC. Le problème du cannabis, c'est qu'il envahit le cerveau et stimule tous les récepteurs. Les chercheurs essaient donc de trouver le moyen d'agir directement sur le système cannabinoïde, sur l'anandamide par exemple. Or, il existe aussi des récepteurs cannabinoïdes en dehors du cerveau. Ces récepteurs jouent un rôle dans la régulation de la douleur. Daniel Piomelli a donc développé un médicament antidouleur qui agit sur ces récepteurs de façon très localisée, et donc sans effet secondaire sur le cerveau. Est-ce que ça a un rapport avec le cab qui marche pas? Oh, allez, venez. Attendez. Et si je refuse de descendre? Je serai obligé d'employer la force. On
Bonsoir, c'est la brigade des pompiers, on rassemble tout le monde dans le hall. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis non. Cervelle en action. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Et si le conducteur du bus a oublié d'ouvrir la porte, il faut le lui faire remarquer gentiment. Excusez-moi, monsieur le chauffeur du bus, pourriez-vous m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Biceps, vous allez m'arrêter ce raid guitare avant qu'il n'ait rendu toute la ville complètement sourdingue. Comptez sur nous, monsieur le président. On va lui faire avaler sa mandoline à cet affreux. Hein? Quoi? Le boulanger de Micheline a le teint foireux? Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez, Biceps? Ça compte pas en rond là-dedans ou quoi? Faut vous faire soigner! Chef, je crois qu'il est plus sourd que votre grande tata. Thank you.
baisse, qu'on le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple n'a plus de prophète, et qu'il endure les manipulations de fête. Quand un jour force de nous faire, croire que ça ira mieux qu'ailleurs, c'est bien moins chouette, quand le peuple sans trop se lever sa tête, il se réveille et met le feu.
Oh.
Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous présenter le sujet lui-même. Il est, vous le constaterez, bien nourri et en parfaite santé. Il vient droit d'une bonne nuit de sommeil, d'un bon petit déjeuner, non drogué, non hypnotisé. Est une substance très efficace. L'SD est une substance très efficace. L'SD est une substance très efficace. LSD est une substance très efficace. LSD est une substance très efficace. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. We'll be right back.
LSD est une substance très efficace. ELSD 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 est une substance très efficace. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Très efficace. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, le LSD est une substance très efficace. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel, pour provoquer une réaction. Il suffit de 25 microgrammes, moins que l'équivalent de 2 grains de sel. Une réaction.
Attache-tu le de ton chibon. Sinon, je t'achète. Rien du tout. Ah ouais, j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais jusqu'à la pharmacie pour acheter des capes? Comme ça, t'es protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Pendant que tu as parce que tu fumes, c'est bien les capes avant de sortir. T'entends quoi, maman? Baise-moi. Baise-moi tout de suite dans le magasin. Tu veux baiser ton fils, alors vas-y, maman, baise-moi. Baise-moi. Idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, moi, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Eric! Et pendant que t'y seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Tu vas me baiser, maman, il suffit de le dire. Allez, vas-y, tiens. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi. Baise-moi tout de suite dans le magasin. Tu veux baiser ton fils, alors vas-y, maman, baise-moi. Baise-moi. Bonjour, monsieur l'agent. Quand vous êtes assis sur les toilettes, faut mettre votre ceinture de sécurité, monsieur. Oui, non, mais en fait, non, je l'avais mise, monsieur l'agent, je vous jure, je l'ai juste enlevé une seconde pour attraper le... L'adresse d'ici, c'est bien le 260 avenue de Los Mexicanos, monsieur. Soyez sympa, quoi, vous allez pas me filer une amende pour ça. Vous devez mettre votre ceinture, sinon vous risquez de tomber dedans. Eh oh, je vais pas tomber dedans, ça va, je suis pas une gonzesse. La loi, c'est la loi, monsieur. Vous pouvez régler par courrier ou vous présenter devant le juge à cette date. Passez une bonne journée, monsieur. C'est ça, ouais, toi aussi. Trop du cul. Y'a un problème? Non, pas du tout, je parlais à mon trou du cul. Allez, c'est parti, trou du cul, faut qu'on se remette au boulot. We'll be right back.
Excellent angle de vue, Miss Money Penny. Ce type d'intervention ne présente aucun problème particulier.
de speed, c'est ça qu'il me faut. Qu'est-ce qui vous attire dans l'industrie de loisirs? En un mot, le plaisir. Mon plaisir, ça a toujours été un petit peu le loisir des autres. Est-ce que vous connaissez les faiblesses? Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, si t'entends, tiens, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois.
habitons là maintenant. Je ne sais toujours pas ce que l'avenir nous réserve. Mais quel qu'il soit, je l'attends sans crainte. Salut, toi. Sacrée nuit, hein. Si je peux vous donner un conseil, ne descendez pas jusqu'au village. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des artistes. Alors faites-moi plaisir, n'y allez pas. D'accord, mais vous me dites pourquoi? Ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Parce que ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des artistes. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des artistes. Artistes. Please. Alors, ce ne sont pas des artistes. Ce ne sont pas des artistes. Pourquoi? D'accord, mais vous me dites pourquoi. Vous me dites pourquoi? Bonne balade, hein, l'ami. Et alors, bonne balade, hein, l'ami. Calmez-vous, je n'arrive pas jusqu'au village. Ok, calmez-vous. Oui. Et faites attention, les sorties sont puissantes hein, par cette saison. Ils peuvent se. D'accord, mais vous me dites. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des artistes. Et faites attention, les sentiers sont glissants là, par cette saison. Et alors, bonne balade. Et faites attention, les sentiers sont glissants là, par cette saison. Qu'il y avait en moi. Nous habitons là maintenant. Qu'il y avait en moi. Nous habitons là maintenant. Ça va mieux? Jane m'a aidé à assumer ce que j'étais réellement.